L'intelligence juridique, c'est le moyen de replacer les enjeux juridiques au centre de la décision stratégique dans l'entreprise et faire du juriste même la cheville ouvrière d'une entreprise. Je m'appelle Alexia Delahousse, j'ai 37 ans. Je suis une juriste passionnée, ça fait 3 ans que j'ai rejoint Conto. Conto, c'est une néobanque pour pros. On propose des comptes de paiement et des moyens de paiement aux entrepreneurs, aux freelances, TPE, PME, pour leur permettre de simplifier le quotidien et la gestion financière de leur entreprise. On essaye d'être une direction juridique qui est à l'écoute des autres salariés chez Conto. C'est une équipe aussi qui va à la vitesse de Conto, une équipe stratégique. Le droit est partout dans l'entreprise en général, mais dans une entreprise régulée comme Conto, l'avantage, c'est que le droit est souvent à l'origine de l'innovation, véritablement une solution sur un certain nombre de problèmes et pas un point bloquant. Avoir une vision transversale de l'entreprise, on est confronté à des problématiques juridiques nouvelles que personne n'a forcément encore défrichées. Et donc on est tous les jours amené à réfléchir et pas forcément appliquer des solutions qui existent déjà. Le moment où la stratégie rejoint la vision de l'entreprise, ça je pense que c'est le moment où on sent que c'est la bonne stratégie et c'est assez jouissif. Passer à côté véritablement de la pertinence de notre recherche. On a besoin de croiser un grand nombre de décisions juridiques avec des faits qui sont similaires, proches, analogues. Et en fait, manuellement, c'est extrêmement chronophage et ça n'a même pas vraiment de sens. Une autre frustration qui est aussi beaucoup partagée dans l'écosystème juridique, c'est que le jury soit cantonné à un rôle trop administratif et pas suffisamment stratégique. La preuve en est que tous les directeurs juridiques ne sont pas dans les comités de direction des entreprises. Je pense que l'intelligence juridique peut être la clé pour le juriste pour réussir à changer de posture dans l'entreprise, être mis dans la boucle des process beaucoup plus tôt et se hisser à un niveau plus stratégique dans l'entreprise. Ça permet, à mon avis, de limiter un certain nombre de risques et ça permet de gagner du temps, de casser des silos de pensée puisqu'on peut croiser un certain nombre de données. On n'est pas obligé de penser secteur par secteur ou enjeu par enjeu ou sujet par sujet ou domaine de droit par domaine de droit. Plateformes intelligentes, parce qu'elles utilisent l'intelligence artificielle et permettent de mieux croiser la donnée juridique pour obtenir une analyse des différentes options et des risques beaucoup plus pertinentes, avec la possibilité pour le juriste d'avoir rapidement un impact plus positif sur l'entreprise.